Salut à tous, c'est Phoenix. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Et pour cette vidéo, je vais donc jouer à Slenderman. Donc voilà, pour cette première vidéo, on va se retrouver sur la map 7th Street. Donc comme vous pouvez le remarquer, on est dans une rue déserte. On se croirait un peu dans une ville, pardon, apocalyptique. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Donc on va avancer et on va chercher ce qu'il nous faut. En fait, c'est la première fois que je joue à cette map-ci, donc je suis comme vous, je découvre. Et je pense que ça me fera d'autant plus peur parce que je ne sais pas exactement ce que je dois chercher et je ne sais pas exactement quand Slenderman va arriver. Donc je pense que ça va être un peu épique. Il y a un truc qui brille là-bas au bout, mais je sais pas si c'est ça que je dois prendre. Ça passe ces petits messages pleins de sang. Ça donne tout de suite envie de les prendre. Voilà. Ah, donc comme dans le Slenderman dans la forêt, on doit trouver des pages avec des petits mots bien sympathiques dessus, comme vous l'avez remarqué. Ça fait vraiment penser à un film d'horreur ici, à n'importe quel moment. Vous savez pas ce qui va vous arriver. Vous allez peut-être vous faire tuer, on sait pas. On entend au loin les pas de Slenderman, donc je pense qu'il va bientôt arriver. Voilà, je vais un petit peu courir hein, parce que je voudrais pas me faire choper trop facilement. En fait, finalement, vous savez, ça ressemble à un décor de cinéma. Pour l'instant, on l'entend toujours au loin, c'est pas du tout rassurant. Heureusement que les pages sont un peu brillantes, sinon on les trouverait jamais. Et en plus, je n'ai pas de lampe de poche, c'est magnifique. Quand vous arrivez dans des petits lieux bien sombres ici, vous n'avez plus qu'à flipper. Ah, génial, une page. Bon, je pense que maintenant, on peut commencer à s'inquiéter. Ok, il y a les coups. Voilà, maintenant on se retrouve sur la map Elementary. Donc pour cette map, on se retrouve dans une école primaire abandonnée. Très très rassurant. Et vous avez de magnifiques rires. Donc voilà, ici on doit trouver des oursons. Ce qui paraît logique vu qu'on est dans une école primaire. Franchement, c'est pas du tout rassurant. Hein. Déjà, qui aime les écoles et en plus, qui aime les écoles quand elles sont vides et qu'elles sont désaffectées comme ça? C'est pas rassurant. Je crois que c'est encore moins rassurant de se retrouver dehors. Allez, où sont ces magnifiques oursons? Non, mais c'est pas sûr, on se demande pourquoi ils ont fermé cette école. Donc là, il y a une ampoule qui vient de péter, je vois mieux maintenant. Donc, je pense que l'école a été fermée pour une bonne raison, apparemment, vu le sang qu'il y a par terre. Et Slenderman s'est dit, tiens, je vais aller hanter cette école. Et mon personnage s'est dit, tiens, je vais aller visiter une école hantée. Avec des super mots sur le tableau. Ah, il devait rigoler ici à l'école. Ça devait être la fête tous les jours.
Franchement, je sais pas vous, mais j'ai déjà le cœur qui bat à 100 à l'heure tellement j'ai peur. Il me semble que là-bas au bout. Ah non. J'ai cru qu'il y avait un ourson, mais c'est pas ça. Bon, j'espère que je vais finir par en trouver un. Ça devait être le bureau du directeur ici. Ce qu'il y a, c'est comme tout se ressemble, on a l'impression de tourner en rond. Sympa, ces petits oursons plantés. Voilà, on en a. Donc maintenant, on peut commencer à s'inquiéter parce que ce cher Slenderman, on commence à entendre ses pas. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, il m'a bien eu. On sent l'adrénaline et la pression monter en force là. Bon, je ne sais pas si je suis ouvrir les portes, je pense pas. J'ai pas de clé, mais enfin. Et c'est là que je me retourne et qu'il est là. Non, ça va. Des fois, on dirait qu'il y a des genres d'ombres, on sait pas trop ce que c'est. Ici, c'est le couloir de la mort. Vous voyez la lumière blanche au bout du tunnel? Bah, c'est là qu'on va. À moins que. Ah, voilà. Franchement, j'ai la pression. Je sais pas, est-ce que vous pensez que si je reste dans mon coin à grelotter, il va venir me trouver ou il va me laisser tranquille? C'est vrai que j'ai jamais essayé de rester dans mon coin à voir s'il allait me rejoindre ou pas. Franchement, je commence à avoir trop peur là. Ah. Je crois que je vais regarder par terre. J'arrive pas à le choper celui-là. Voilà. Ah, maintenant j'ose pas me retourner. J'ai trop peur. Ah, j'aime pas cette musique. Ah, mais j'ai pas vu. Ah! Merde. On se retrouve sur la map Sanatorium. Donc, je pense qu'en fait, c'est un asile de fous. Ce qui est d'autant plus rassurant quand on sait tout ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, je commence. Ah, sympa cette petite chambre. Vous avez de l'espace hein, quand même. Ah, je suis sûre qu'en fait, il y a peut-être. Vous voyez les pièces comme dans les films là. Où on enferme les gens là quand ils sont fous, on leur met une camisole. Je suis sûre qu'il y en a une ici. N'empêche, quelle personne sensée a toujours envie d'aller voir des trucs pareils. Ah, ils avaient même une laverie. Ou alors peut-être qu'en fait, comme c'était des fous, on leur enlevait leur cerveau et on les lavait. Ça faisait un lavage de cerveau. Ici, vous avez du dash. Ah, voilà une feuille. Ah, génial, on commence déjà à l'entendre. J'ai hâte de le voir, il m'a manqué. Hein. Sérieusement, à chaque fois, je me suis fait avoir. Pourtant, j'essaye de tourner la tête pour pas le regarder, mais il m'a à chaque fois. Il m'en traite celui-là. Ah, il y a une autre feuille, mais je crois pas que ça sert à ça. Non. Ici c'était... je sais pas c'est quoi.
Alors, c'est quand même grand. Je l'avais pas vu! Il est toujours là. Non, il est plus là. Excusez-moi pour mon vocabulaire, mais vous savez, quand vous avez peur, vous contrôlez pas ce que vous dites. Tant qu'il reste loin de moi, ça va, hein. Il est plus là, mais. En fait, soit c'est un type qui marche très vite, soit il vole parce que c'est un fantôme, ou alors il arrive à se déplacer. Il se téléporte en fait. Sais pas pourquoi il veut déjà me faire peur maintenant alors que j'ai qu'une feuille sur 8. Non, que je l'ai vu, j'ai trop peur d'avancer quelque part. Ah, c'est la salle des ordinateurs. Ah, il y a une feuille. Sérieusement, maintenant je n'ose plus regarder par là, j'ai peur qu'il soit là. Je crois que je vais rentrer ici parce que j'ose pas prendre le couloir en fait. Bon, il était là encore de nouveau, il m'attendait. J'ose pas avancer, j'ai trop peur. Bon, je vais aller par là. Franchement, je crois que je vais regarder par terre. Non, il est où? J'arrive pas à détourner mon regard! Bon ben voilà, il m'a encore eu, j'arrive pas à voir toutes les pages, dommage. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien fait rire par la même occasion. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Voilà, bonne fête d'Halloween et bisous à tous!